Thank you.
Ben, mon vieux Pierre, qu'est-ce que vous faites là? Il est bon, hein? C'est un combattant anglais, un vrai, d'origine malaise. J'ai depuis hier. Une trouvaille. Vous avez remarqué sa crête? En demi-noix avancé. Petit. Oh, je me disais bien que c'était vous. Vous n'avez pas pu résister. Ses yeux bleu verdâtre, sa tête toute plate au-dessus. Ah, au fait, monsieur Pierre, merci pour les billets. Antigone par les cheminots, c'était formidable. Et ce crayon, quel brut. Il est viril, hein, et vulnérable. Oh, pas tant que ça. Allons, allons, monsieur Pierre. Ça se reconnaît tout de suite, les gens qui aiment les animaux. C'est pas comme certains. Oh, Loulou! Hein? Si on lui donnait, ça lui ferait tellement plaisir. Mais non, je vous assure... Il est à vous! Mais enfin, écoutez, il n'y a pas de raison, écoutez... C'est... Loulou, apporte une cage! Tu sais, les modernes! Mais non, écoutez, mais je suis toujours en voyage. J'ai personne pour m'en occuper, je vis tout seul. Mais raison de plus, ça sera une présence. Mais d'ailleurs, c'est trois fois rien. Et si vous voulez... Je viendrai de temps en temps. Il sera heureux avec vous. Croyez? J'en suis sûr, je vous connais. Son pédigré, signé par la Confédération nationale de l'agriculture. Voilà. N'oublie pas le millet. Ah oui. Oh, et les autres sèches. Pour son petit bec. Voilà. Tenez. Voilà. Ça. Et voilà. Gâté. Thank you.
bravo, alors ça sur ses arrives, t'es pas un peu fou, non? Mais je suis de la visite. Eh bien, si j'avais pas fait ton boulot, moi, mon vieux. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais oui, je sais, tu m'as aussi souvent dépanné, mais quand même. Alors, c'est pas une raison. Écoute, tiens, voilà le diagramme. C'est complet partout. Au 19, tu as un enfant de 5 ans, passager non accompagné. Le fils des pâtes Rivoli, Gabriel. Alors, fais gaffe. Mais attends, et ça. Ah, ben attends, ça, c'est pour le petit. Des recommandations. En couchette des wagons. Ah, bah oui, mais c'est sur voie A, le rapide qui fait départ 22h30 à destination de Marseille va partir. Veuillez monter en voiture et fermer les portes, s'il vous plaît. Attention au départ. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur, vous avez oublié ça dans mon taxi, monsieur, vous avez, monsieur, le coq, monsieur, alors. Oui, Gabriel. Besoin de rien, messieurs dames. À quelle heure le petit déjeuner demain matin? 7h. Merci. Non, pas ça, c'est tout à l'heure. Ouais, bien, on se déshabille.
La prière. Fais-la avec moi. Mets tes mains jointes. Et ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Oh Jésus, toi qui aimes tant ton papa et ta maman. Saint Joseph. Garde-moi toujours. Gardez-moi toujours mon papa et ma maman. Rendez-leur. Tout. Tout ce que je pourrai pas. Le rendre. Le rendre. Ainsi soit-il. Ange Gabriel, veille sur moi. Allez, hop, au lit. Allez. Comment ça fait un ange? Un ange ça. Ça a une ombre blanche, ou rose, ou bleue. Et ça a des reflets. Et puis la longue, une longue trompette, tu vois, une longue trompette comme. Comme ça. Et puis ça chante. Comme un oiseau? Si tu veux, oui. C'est comme un. Comme un coq, tiens. Mais pas vraiment. Comment, comme un coq? Comme un coq? Comme un coq, ben oui. Pourquoi? Pas tout à fait. Ça fait pas un coq, hein? Ben si, ça fait. Ah non, non, pas un ange, non. Gabriel, c'est mon ange à moi. Oui, ben c'est ça. Maintenant, on dort vite, hein. Allez. Ferme les yeux. Tiens-moi la main. Me laisse pas. Du Vichy. Bien, monsieur.
Transport défaisant et de temps en temps il change. Fait que l'éther, c'est intolérable. J'ai payé pour dormir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Et débrouillez-vous! Ici pour rien, moi! C'est pas moi! Ouvrez! Mais je n'ai pas le droit. Je ne suis pas SNCF. Monsieur, moi, mon repos est sacré. Je suis au service de la France. De Gibraltar, député. Merde, méfaisant. Alors c'est vous! C'est à vous! Mais monsieur Vitti, c'est à vous. Allez, faut que j'y aille. C'est pas possible. Écoutez, monsieur, je les ramène d'Europe centrale. 500, les plus beaux, pour l'ouverture de la chasse, demain, dans ma propriété, à la Sainte-Vaux. Mais j'en suis, moi. C'est pour ça que je viens. Oh. De Gibray, député. Ah. Monsieur Paoli. En personne. Oh, merci, monsieur le député, d'être des nôtres. Alors, vous voyez bien, hein? Il y aura toutes les Bouches-du-Rhône, l'archevêque, le préfet, le général. Ils viennent tous pour les tuer. Il me les faut vivants. Oui, oui. Non, j'en prends la responsabilité. Merci. Bon, hein, non, mais hein, attention, hein. C'est lui qui a foutu la pagaille. Il n'est pas à moi. Il faut le coincer. Allons-y, messieurs, déployons. C'est lui responsable. Le voilà, un coq au milieu des faisans. C'est une catastrophe. D'où vient-il? Ah, en tout cas, il n'était pas là au départ, ça j'en suis sûr, j'en suis certain. J'ai vu passer dans ma tête. Devant votre fenêtre? Oui, plaqué tout contre. Pour moi, il a dû venir d'un wagon un peu plus haut. Quelle preuve? C'est peut-être un coq échappé d'une ferme, d'un poulailler. Mais non, mais c'est pas possible. Il se serait fait écrabouiller par le train à cette vitesse. Tiens, vous n'avez pas entendu un chant de coq vers minuit 15? Permettez. Surtout ne le lâchez pas. Ah mais, tu le reconnais? C'est le coq de Gabriel. Le petit du 19. Le fils des pâtes Rivoli. Et il est à lui? Absolument. Je l'ai vu dans son compartiment au départ de Paris. Confiez-le-moi. C'est la pièce à conviction. Il faut voir ça de plus près. Félicitations, mon commandant. Faut continuer l'enquête. Allongez l'enfant. Mon commandant, quelles sont vos consignes? Sans vous, elle s'en sort pas. Avant tout, de la détente. Ensuite, de sang-froid. Thank you.
partis chercher le pince. Le petit est très turbulent, ses parents avaient bien recommandé de boucler. Alors je vous suis. Et comme ça brusquement? Mais ça va le terroriser. Je ne pense pas que les parents apprécient. Bon petit bonhomme. Il faut qu'il se réveille, le petit bonhomme. Pas longtemps, hein? Après, on va faire son gros dodo. Et, mon tout petit, il est bien à toi, ce coq? Mais oui, souviens-toi bien. L'ange Gabriel. Lève-le ! Faut pas mentir, hein ? Il est vraiment à toi, ce coq. Allons, dis la vérité au commandant. Il est à toi, le coq. L'ange Gabriel, comme tu l'appelles. L'ange Gabriel. Il est à toi ? Ton ange Gabriel. Il est à moi, 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 il est à moi. Confisquez-le, vous le lui rendrez à Marseille. Là, tu l'auras demain matin, hein? Tu partiras avec lui, ça, tu peux compter sur moi. Allez, maintenant, dodo. Le commandant est ton ami, non? C'est pour les tuer, il est trop vivant, c'est pour les tuer. Allez, allez, vite, le coup de la sabonnette. Allez, forcez à Saint-Florentin. Allô, allô, c'est Saint-Florentin. SOS, émeute dans train phocéen. Faisons en liberté dans wagon-lit. Urgent, arrêt forcé à Saint-Florentin. Il me les faut vivants, c'est pour les tuer. Oui, c'est pour les tuer. Il y a une récompense. Vous cinq, à la charge! Les autres avec moi! Allez! Mais vous faisant des carpasses. Allez là! 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 Allez là
vous les donne, mon lieutenant, pour vos hommes. Ah, pas question. Nous sommes en service commandé. Mon lieutenant, pour améliorer l'ordinaire. Bon, allez, plantez ça dans vos musettes. Gabriel a fait un bon voyage. Oui, Jean. Madame et monsieur vous attendent dans la Bentley. Voilà tous les bagages. Et ça? Ça, c'est mon ange Gabriel. Ah bon? Très bien, monsieur Gabriel. De la part de monsieur. Il y a un balai ici. Commission d'enquête, suivez-nous. On n'y voit rien, ouvrez la porte. C'était une de ces pagailles. 200 faisans en liberté. Des rapaces, pas étonnant. Ah, permettez, on les a traumatisés. C'est ce coq. Quel coq? Il y en a 300 ici. Le coq de l'enfant. Eh oui, le fils des pas Rivoli. Voilà. Mais qui a ouvert la porte? C'est moi qui l'ai ordonné. Dans ce cas, il faudra se retourner contre le fabricant des cagettes. Jamais été à Gabriel, cette poule. Mais ça va. Et c'est à vous, alors? Oui, non, juste à vous. Oh. Tenez. Mais le petit Rivoli.
L'enfant dormait ici, et la fenêtre était ouverte, le coq est parti par là. Voilà, messieurs, l'enquête est close. Bien. Je vous demande pardon. Je vous en prie. Pardon. Non, non, après vous. Je ne sais pas ce qu'en pensera M. Tanguy, mais mon opinion sur la question est faite, formelle et irréversible. Il y a quand même un peu de... Les wagons-lits sont-ils responsables? Non, absolument pas. Non, les wagons-lits ne peuvent pas, en aucune façon, messieurs. Mais je crois que nous aurons un bout. Oh, oui. Eh bien, nous nous retournerons, vous, comme vous l'avez justement dit, contre le fabricant des cagettes. Il n'y aura aucun problème. Et suivez-moi. Vous savez que je vous ai soupçonné. J'ai cru que le coq était à vous. Vraiment. Ah. Si j'avais pu trouver la moindre preuve, c'était le renvoi immédiat. Et le paiement des indemnités, votre solde, pendant 6 mois. Remarquez, vous m'avez peut-être possédé. Finalement, on sait trop rien parce que... le coup de l'ange Gabriel... Mais ne vous inquiétez pas. Tôt ou tard, je saurai la vérité. Je finis par tout savoir. Et si vous m'avez eu, je vous retrouverai. Alors, on est en ferme aujourd'hui? Faut bien se détendre. Ah, les petites femmes. Le soleil, la mer. Moi, jamais. Toujours la gueule blanche. Toujours sur le qui-vive. Je remonte sur Lyon, moi, maintenant. Et civil, vous ne vous doutez vraiment de rien. Mais respect, mon commandant. Démerde-toi pour récupérer le coq. Et en douce surtout, hein. Enfin quoi, il n'y a plus de risque maintenant. Tu parles pépère, on le retrouvera automatiquement. Hein? Et le piège à con, si tu crois qu'il ne fera pas le rapprochement, eh bien tu te trompes. Bon, ben ça ira. Allez, au suivant. Pardon, laissez-moi passer, laissez-moi s'il te plaît. Excuse-moi. Hey? Dépêche-toi, Christian. Mais c'est parce que j'ai juste un petit vieux. Ah, tiens, merci, voilà. Merci, vieux. Allez. Ah, ouais. Vite, vite, taxi, suivez-le. Oh,
Ça va bien. Oui, oui, ça. Tu as mis la main dessus? Oui, oui. Ah. Et alors cette fois-ci, je m'en suis débarrassé. Je m'en suis débarrassé définitivement. Ah, c'est bien. Comme ça, dans un égout. Alors, il est toujours à toi. Enfin, de toute façon, j'en veux plus. Du côté de 40 000 francs, ça te dit rien, non? Regarde la touche de l'autre. C'est pas un professionnel. Allez, 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 allez,
Hey, voilà. Allez. Hé, là-bas. Vous êtes au courant? Le vol d'animaux, ça va chercher dans les 8 jours fermes. Alors, ce coq, origine? Fils de qui et de qui? Plymouth, Rock et Phoenix. Tu vois bien qu'il n'est pas toi, hein? Allez, à boule. T'amuses jamais à ça, hein? Jamais. Bonsoir, chef. Les billets? Voilà, les billets. Merci. Ça va? Ça va, merci. Et vous-même? Ça va, merci. Merci. Allez. Bonsoir, bonne chef. Bonne nuit. Un peu nerveux, mais enfin. Voilà, là. Non, alors là, voilà, là, exactement là, parce que. Là, voilà, bien là. Là. Bon, m'entends un peu. Et puis, alors là-dessous, un peu. Ah, voilà. Voilà. Et l'autre, pareil. Là. Pas là, là. Voilà, c'est bon. Alors, attends. Non, mais il aime ça d'ordinaire, il aime ça. Bon, ça va. Pas trop, parce que, enfin... Là, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Bah, dites donc, les gars, vous manquez pas d'air. Et dans un single, en plus. Non, mais il a son billet. C'est un champion, il a livré un de ses combats hier. D'ailleurs, c'est lui qui régale. Tu veux voir un coup, hein? Non, pourquoi? J'ai encore 8 wagons à me faire. Ah, 8 wagons. Je les suis. Tu attends rendez-vous à Lyon? Oui. Tu attends des passagers? Non, aucun. Oui, en tout cas, je surveillerai. Hein. Alors, hein, bonne nuit. Hein. Thank you.
fait trop tard. On n'a plus le temps. Et je t'assure, ce n'est pas ma faute. On n'a plus que 5 minutes. Tu sais, tout ça nos réseaux, rien. Mon sac. Octobre. Le 12 octobre. Le 12 octobre. Le 12 octobre. Stockholm, Malmö, Hamburg. Je suis à Lyon, 1h15 jusqu'à 1h30. Je repars à 1h20. 5 minutes en tout. Si c'est comme ce soir. Et le 27. Je suis à Lyon à 0h30 jusqu'à 1h10. Pour moi, je suis à 1h15. En slope. Ben. Voyons le mois d'après ou plus tard. Mais non, ça c'est pas possible. Attends un peu. Mais le 27, c'est possible puisque on aura repris les horaires d'hiver. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ton propre plaisir. De temps en temps. Monsieur Pierre, pour le loyer, ça ne pressait pas. À bientôt. Dis, mais qu'est-ce qui te prend? Je serai là à l'heure. Je t'attendrai. Je te le jure. Au 27, je t'attendrai, je te le jure. Dis, je te le jure. Au 27. Au 27.
appelé à 140 à l'heure, tu vois ça d'ici. Oh là là, ils l'ont échappé belle, sans moi c'était foutu. Dis donc, c'est que t'as un sacré foutu métier. Oh bah c'est une question d'oreille, une roue en fa dièse. C'est l'accident, en si bémol, c'est du billard. Conseil de discipline. Et ne me dites plus que le coq ne vous appartient pas. Et en plus, on est à poil. Allez vous habiller. C'est la mise à pied définitive. Occupez-vous des deux wagons. Lui, c'est des arrêts de rigueur. Vous avez regardé dormir. Au fond, vous n'êtes pas un mauvais bougre. Alors voilà. C'est décidé, je ne vous mets pas au trou. Je plaiderai les circonstances atténuantes. Au pire, ce sera un mois de mise à pied sans solde. Et puis, ce sera la joie du cœur et la sérénité après l'expiation. Non, mon vieux. Dans la vie, c'est tellement plus malin de se soumettre. D'accepter la discipline. De refuser l'imagination. Surtout. Ah, bien sûr, c'est pas commode. Si vous croyez que ça ne m'a pas coûté, parfois. Mais soyons réalistes, le reste, c'est de la foutaise. Non, écoutez. Suivez mes conseils, et avec un peu de chance, vous tiendrez quelqu'un dans mon genre. C'est pas si mal, non? Ce qui est fondamental, c'est de ne pas être soi-même. Ah. Ben, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes complètement fou. Vous tirez les gens d'un homme. Pardon. Mais,
c'est tout, les remerciements, on passe l'éponge et... Ha 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 ha